Dofus Temporis, c'est un événement qui dure quelques mois sur un serveur spécial qui change complètement la façon de jouer sur Dofus. On n'obtient plus des sorts en augmentant de niveau, mais en allant exploser des monstres qui lâchent des parchemins de sorts, et il y en a énormément à attraper. Bon déjà on a attendu 15h l'ouverture du serveur, mais Ankama a communiqué qu'au final ça sortirait qu'à 15h30, car ils ont du retard. Du coup, on a été un peu en stress, hein, parce que la dernière fois que Temporis est sorti, bah fallait attendre assez longtemps avant de réussir à rejoindre le serveur. Mais là, ça y est, le serveur est lancé. Oh, j'ai bien fait d'avoir préinscrit mon petit Ekaflip. J'ai trop peur que ça bug. Vite, allez. Hop, Tyrion, tu seras. Et merde, je me suis gouré dans la couleur de mon chat. Oui, car Tyrion, c'est lui, il est roux, et ça, c'est Widichou, et il est noir. J'ai inversé les couleurs. Bon, mais quel con! Allez, connecte-toi. Quoi? Mes potes sont déjà connectés. Merde. Oh non, j'ai planté, non. Je relance, vite. Merde, il s'est connecté sur notre serveur, le con. Bon, comme j'ai dit, il faut dropper les sorts sur les monstres du jeu, mais là on peut aussi les créer, mais au début du coup, on a rien du tout. Aucun sort. Bon, on va y aller à coup de tatane. Une fois le tuto fini, je rejoins Marine et Sam. Marine joue un Feka, enfin une 4, et Sam un Upermage. On droppera plus vite à 3. Allez, on y croit. Merde, Marine a drop, ok, super, bon, ça va être notre tour. Sam a drop, super, j'ai toujours pas de sort, mais putain, j'ai toujours pas de sort. Oh putain, un sort. Ça y est, j'ai enfin un sort. Une invocation d'Arachné. Bon, bah je vais toujours pas taper. Enfin, plusieurs sorts. Bon, du coup, on continue les petites quêtes d'Incarnam afin d'avoir tous les succès. Vous savez pourquoi. Le fameux Dofus argenté. Bon, c'est bon, le stuff est là. Panoplie aventurier, check. Plein de sorts, check. La team est prête, check. Let's go faire le donjon d'Incarnam. Mais ils sont où les copains? Ah oui, c'est vrai, les instances multiples d'Incarnam. Ah, faut mourir pour relancer. Ok. Allez. Le boss. Bon, allez, la strat. On n'oublie pas pour les succès, on avance d'une case à chaque tour et on tue le boss en premier. Let's go. Allez, on n'oublie pas d'avancer d'une case et... Merde, con! C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Bon, le donjon est fait, maintenant... allez, on se tente le petit donjon champ. Taïo! Ça c'est fait, ça c'est bon, ok. Le boss. Le boss, c'est pas bon. Du coup, entre-temps, on est parti XP, parce que bah, on n'arrivait pas à battre le boss, mais entre-temps, Biscuit, qui joue Axelor et Marina et Nekaflip, oui, c'est la meilleure classe, nous ont rejoints. Allez, on se fait le donjon quand même, et on leur file les sorts. Merde, déjà minuit. Ah, je suis seul avec Biscuit. Direction Bonta pour concasser un peu tout le stuff qu'on a drop. Ouais, parce qu'on en a drop beaucoup. Oui, beaucoup. Après, j'ai vu dans le bestiaire que les tofus pouvaient drop des super stuff. Mais c'est super, ça! Ouais, du coup, on va se faire quelques tofus grillés. Allez, c'est parti. Ou pas. Bon bah la flemme d'essayer de tout dropper, alors du coup je vais acheter une petite panoplie de fou. Ouais, c'est la flemme. J'avance un petit peu dans les quêtes d'Astrub, et pris d'un moment de folie, je me dis, tiens, et si j'allais tester solo le boss du donjon champ? Ouais, c'est vrai, on n'a pas réussi à vaincre à 3, mais je vais peut-être réussir tout seul. Donjon champ, le retour. Non, c'est... Oh! Et devinez quoi, j'ai réussi. Bon bah du coup Biscuit, comme il est chaud là, il veut tenter le donjon sablé. Ok Biscuit, tu es sûr de toi Biscuit? Ok, on y va. Ok, première salle c'est bon, ok, ça y est, on est au boss. Oh mon dieu. Bon bah le boss c'est fait aussi. Bon bah on tente le bouffe tout royal. Non je déconne, enfin pas tout de suite quoi.